Alors, merci à tous les participants. Je crois que celui-ci est le dernier de nos échanges par rapport à ce cours portant sur les fondamentaux de la gouvernance des ressources naturelles en Afrique de l'Ouest de façon spécifique et en Afrique de façon générale. Ce que je l'ai dit dans tous les modules, c'est les mêmes réalités qu'on retrouve partout dans le continent. C'est un continent riche en ressources naturelles, mais ces ressources peinent toujours à booster le développement économique et de façon durable. Au début, nous avions vu le cycle minier, c'est-à-dire les différentes étapes d'un projet minier jusqu'à la fermeture. Ensuite, nous avons abordé d'autres éléments fondamentaux tels que les impacts environnementaux, sociaux et économiques des activités extractives. Puis nous avons essayé d'explorer un peu les opportunités, les liens que ce secteur-là peut fournir aux pays hôtes. Et cela nous a permis d'aborder également les cadres, à la limite politiques et juridiques, qui encadrent la gouvernance des ressources naturelles. Mais cela ne peut se faire sans un certain nombre d'acteurs. Et c'est ce qu'on appelle les acteurs de la gouvernance des industries extractives. Dans ce présent module, nous allons voir quels sont les rôles et quelles sont les relations qui existent entre ces acteurs-là. Donc, de façon résumée, nous avons ces quatre types d'acteurs qui sont les plus, disons, exprimés dans le secteur des industries extractives. C'est d'abord le secteur privé. Le secteur privé, c'est l'ensemble des compagnies pétrolières, gazières, minières qui sont dans l'exploitation. C'est elles qui cherchent les permis, c'est elles qui exploitent, c'est elles les détenteurs premiers du profit dans ce secteur-là. Donc, le secteur privé. Ensuite, le gouvernement, parce que le gouvernement, c'est lui qui organise tout ce qui est gouvernance du secteur, les lois, les politiques, c'est lui qui attribue les permis, les licences, c'est lui qui les retire, etc. Donc, c'est lui qui accueille en réalité le projet extractif. Donc, il reste un acteur clé et incontournable. De plus en plus, la société civile s'est distinguée dans ce jeu parce que c'est un jeu d'acteurs. Et dans les 20 dernières années particulièrement, la société civile s'est exprimée de façon considérable à ce qu'elle est, à ce qu'elle soit aujourd'hui devenue un acteur principal de la gouvernance des ressources naturelles. Et quand on parle de société civile ici, on fait référence à la fois aux OSC, organisations de la société civile, qu'ils soient formellement ou non organisés. Il y a les organisations communautaires de base, qui sont composées beaucoup plus d'ailleurs des communautés qui sont directement impactées par les activités extractives. Et à côté de ces communautés, nous avons les ONG. Il y a beaucoup d'ONG aujourd'hui qui évoluent dans ce secteur-là, qui soit appuient les communautés ou appuient les OSC ou appuient les chercheurs, les médias, qui sont un autre groupe d'acteurs. Je ne les ai pas listés ici, mais ils font partie littéralement de la société civile. Je fais référence aux chercheurs, aux universitaires et je fais référence aussi aux journalistes et aux acteurs des médias. Et tout autre acteur que je n'aurais pas listé, il faut les considérer ici dans le lot littéralement de la société civile. C'est le cas des syndicats, par exemple. Ils peuvent être classés sous ce sous-groupe d'acteurs. Donc voici les trois principaux acteurs, parce que c'est eux qui siègent aussi autour de plusieurs instances de gouvernance des ressources naturelles, y compris l'ITE, y compris le PGO, c'est-à-dire le partenariat pour un gouvernement ouvert, etc. Mais à côté de ces trois principaux acteurs, nous avons un autre qui s'appelle ou qu'on peut appeler des organismes internationaux. Mais à côté des organismes internationaux, de plus en plus dans les relations internationales, on commence à identifier certains individus qu'on appelle des individus non gouvernementaux qui ont une certaine influence dans le secteur des ressources ou dans tout autre enjeu à dimension mondiale. Ce sont les individus. Ils peuvent être des donateurs, ils peuvent être
des influenceurs, ils peuvent être des activistes, etc. Et qui n'appartiennent pas forcément à une organisation de la société civile. Ce sont juste des influenceurs, des individus influents dans le milieu. Donc, voici les acteurs qui vont, à la limite, attirer notre attention dans la présente présentation ou dans les présents échanges. D'abord, il y a ce qu'on appelle les cadres ou initiatives internationaux de gouvernance des ressources naturelles. Et c'est un acteur fondamental que nous allons citer. Donc, vous verrez que quand je dis acteur, ce n'est pas forcément l'institution, ça peut être aussi l'initiative en tant que telle, mais ce sont des initiatives, bien sûr, qui sont mises en œuvre par des institutions. D'abord, il y a le processus de Kimberley. C'est quoi ce processus? Vous savez, il y a quelques années, beaucoup de pays riches, notamment en diamants, tels que les pays du fleuve Manon, c'est le cas de Libéria, la Sierra Leone, la Guinée et la Côte d'Ivoire. C'est une bande de pays où il y a les ressources diamantaires qui sont assez importantes. Et par le passé, ces diamants ont fait l'objet de plusieurs conflits dans la région, ce qui fait qu'il y a une forte exploitation par des groupes armés ou par des groupes rebelles qui finalement se confrontaient souvent soit aux forces de l'ordre loyalistes, soit à d'autres groupes armés aussi qui essaient de mobiliser les mêmes ressources dans la même zone. Donc cela a été susceptible de créer souvent ce qu'on appelait des conflits sanglants. Et c'est pourquoi, à un certain moment, les acteurs se sont réunis dans les années 2000 pour dire, notamment des acteurs de la société civile et des professionnels de diamants, pour dire stop à la commercialisation des diamants de la guerre. Les diamants de la guerre, ce sont des diamants extraits d'un milieu de conflits pendant que des centaines ou des milliers de personnes sont tuées ou utilisées ou violentées pour pouvoir au moins tirer ces diamants-là. Donc, le processus de Kimberley est un accord exécutoire qui impose les conditions strictes à chaque participant. Donc, fondamentalement, c'est qu'il ne faut pas vendre ou il ne faut pas acheter des diamants, ce qu'on appelle des diamants de sang. Donc, c'est un processus qui est ouvert à tous les pays qui souhaitent y adhérer. Déjà en 2018, ils étaient à 55 participants représentant près de 82 pays. Pourquoi il y a plus de pays que de participants? Littéralement, c'est qu'il y a des régions qui ont adhéré en une voix. Par exemple, l'Union européenne y a adhéré en une voix. Donc, c'est pourquoi si on prend la liste des pays, ils sont beaucoup plus nombreux que le nombre de participants. C'est ça qui explique l'écart entre les 55 et les 82. Alors, à côté du processus de Kimberley, disons après la même année ou une année avant, est né ce qu'on appelle l'initiative pour la transparence dans les industries extractives. Alors, il est important de rappeler un peu le contexte de la naissance de l'ITE. Pendant ces années-là, le citoyen n'avait pas la possibilité d'accéder aux informations, particulièrement des informations qui sont liées au paiement que les industries extractives, que les compagnies effectuaient à l'endroit des gouvernements ou des pays hôtes. Ce qui fait que cette manne financière importante qui n'était pas retracée dans la plupart des budgets, qui n'était pas retracée dans certains documents qui permettaient aux citoyens d'y accéder malgré les instruments de transparence qui commençaient à exister, alors, pouvait servir à certains gouvernements de rester longtemps au pouvoir ou pouvait servir aussi à aller alimenter des groupes rebelles par-ci, par-là. Donc, par pure coïncidence, par exemple, on a vu qu'il y a eu beaucoup plus de rébellions dans les pays qui sont riches en ressources naturelles en Afrique. C'est le cas de la RDC, c'est le cas des pays de l'Afrique de l'Ouest surtout, donc, qui ont connu beaucoup d'instabilité et la toile de fond était parfois liée à l'accès et au contrôle des ressources, notamment les ressources naturelles, pétrolières, gazières et minérales. Donc, c'est dans ce contexte que quelques organisations ont manifesté à l'endroit des pays qu'on appelait puissants du monde pour exiger plus de transparence dans la gouvernance des ressources naturelles en demandant aux compagnies de publier ce qu'elles payent au gouvernement.
C'est comme ça que c'est né aussi le réseau Publier ce que vous payez, qui est adressé directement aux compagnies pour leur dire publier ce que vous payez. Et c'est en réponse à ce slogan de publier ce que vous payez que, sous le leadership du Premier ministre britannique Tony Blair, l'ITE est né. Donc, l'ITE est né. Dans chaque pays, l'adhésion déjà est volontaire, mais chaque pays qui adhère le matérialise par ce qu'on appelle un comité national. Le comité national fonctionne avec ce qu'on appelle un groupe multipartite, où vous avez à la fois le gouvernement, le secteur privé et la société civile. C'est pourquoi, au début, j'ai appelé ces trois acteurs-là les trois principaux acteurs. Et c'est eux qui décident du fonctionnement du processus ITE dans leur pays. Et chaque année, l'ITE produit un rapport. C'est un rapport qui mobilise diverses données de plus en plus. Il est devenu plus désagrégé, celui qui publie diverses données, y compris les données sur l'emploi, les données contextuelles, les données sur les revenus financiers, le partage, les instruments juridiques. C'est plusieurs données qui sont aujourd'hui publiées à travers les rapports ITE. Donc, un instrument fondamental ou un cadre de gouvernance ou un acteur clé de la gouvernance des ressources naturelles. Alors, à côté de cette initiative qui est beaucoup plus internationale, au niveau africain, nous avons ce qu'on appelle le cadre de gouvernance des ressources minières de l'Afrique. Alors, c'est un cadre de gouvernance qui a été conçu pour approfondir l'engagement de mise en œuvre de la vision minière africaine. Donc, c'est un instrument de mise en œuvre disons, de la vision minière africaine. Il a été conçu de façon participative et inclusive parce que les organisations de la société civile ont contribué de façon considérable dans l'élaboration de ce cadre de gouvernance-là. Alors, au-delà de servir d'outils de suivi et de responsabilisation, ce cadre est un instrument aussi local, holistique et complet qui répond aux défis spécifiques auxquels est confronté le secteur minier africain. À côté de ce cadre de gouvernance qui est piloté ou qui est mis en œuvre par le Centre des ressources minérales, le Centre de développement des ressources minérales, nous avons aujourd'hui ce qu'on appelle le PGO. Le PGO, c'est le partenariat pour un gouvernement ouvert, ou en anglais OGP, Open Government Partnership. Donc, le PGO est un partenariat multilatéral qui fondamentalement vise à rendre la gouvernance davantage ouverte, c'est-à-dire à savoir la transparence de l'action publique, mais elle vise beaucoup plus le gouvernement en réalité. C'est de rendre beaucoup plus transparente l'action publique, mais aussi élargir cette gouvernance de l'action publique à d'autres acteurs, notamment la société civile, de sorte qu'ensemble, on puisse aboutir à un accès beaucoup plus démocratique de tout ce qui est information relative à la gouvernance des ressources publiques. C'est une initiative qui est née en 2011, elle est relativement plus récente que l'ITE, mais à peu près qui fonctionne relativement de la même sorte, même si leur gouvernance diffère ou bien leur cible ou leur finalité. Mais leur finalité, quand même, c'est de renforcer la transparence. Et c'est un instrument ou un partenariat qui s'est inspiré beaucoup plus de la philosophie de notre partenariat ou d'une autre initiative que le président Barack Obama avait initiée déjà en 2009, qui s'appelle l'Open Government Initiative. Et au début, il y a eu un certain nombre de pays, 8 pays notamment, qui ont été les membres fondateurs du PGO. Mais aujourd'hui, c'est une initiative qui a beaucoup plus de membres dans le monde. Il y a eu beaucoup de pays qui ont adhéré à cette initiative-là et qui permet aujourd'hui de le rendre beaucoup plus efficace et beaucoup plus populaire. Alors, son objectif ou ses objectifs, entre autres, c'est d'accroître la disponibilité des informations, encourager la participation du public sans discrimination surtout. Alors, mettre aussi en vigueur les standards d'intégrité professionnelle ou faciliter l'accès aux nouvelles technologies pour aider à la transparence et à la responsabilité.
Donc, de 8 membres fondateurs, aujourd'hui, le PGO compte 77 pays. 77 pays aujourd'hui, membres. Voilà. Donc, en termes de fonctionnement, il a un comité directeur, ensuite une présidente tournante, et le président est élu par le comité directeur lui-même, et c'est une présidente tournante dont le vice-président devient président à l'année suivante. Voilà. À côté du PGO, nous avons ce qu'on appelle le consentement libre, préalable et éclairé. Cet élément peut être placé aussi bien dans les instruments de gouvernance, c'est-à-dire dans le cadre juridique de gouvernance, et aussi être peu classé par. Moi, je préférais le mettre dans le cadre des relations des acteurs. Alors, le consentement libre, préalable et éclairé est un droit collectif. Ça, il faut d'abord préciser cela. Ce n'est pas un droit individuel. C'est-à-dire qu'une seule personne ne peut pas se faire prévaloir de ce droit-là. C'est un droit collectif. Donc, c'est une communauté qui peut revendiquer ce droit et pas un individu. Donc, il consiste à quoi? Il consiste à donner à une communauté potentiellement impactée par un projet minier de donner son consentement ou non, ou son refus, relativement à un projet qui lui est proposé et qui est susceptible d'avoir des impacts sur leur terre, sur leur vie, etc. Et comme on l'a dit, le secteur extractif a des impacts particuliers sur les communautés, que ce soit impacts environnementaux, sociaux ou économiques. Donc, ce droit collectif permet à une communauté donnée de dire, nous ne voulons pas de tel projet ou nous voulons de ce projet-là. C'est-à-dire, ils donnent leur accord pour que le projet puisse être mis en œuvre dans leur zone. Donc, ça, c'est fondamental à préciser. Donc, c'est un droit collectif. Alors, le consentement libre, préalable et éclairé signifie quoi? C'est qu'en termes de consentement, d'abord, les populations doivent dire oui sur la base d'une consultation et d'une participation. Donc, ce n'est qu'à ce niveau qu'on considère que les populations ont consenti à ce projet. Il doit être libre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de coercition, pas d'intimidation ou de manipulation à l'endroit des communautés pour avoir leur cutis social. Il doit être préalable, c'est-à-dire qu'il doit être sollicité avant que le projet ne soit implémenté, et non pas d'implémenter le projet et les informer. Donc, il doit être préalable et éclairé sur la base des informations utiles, nécessaires, qu'il faut. C'est sur la base de ces informations-là que les populations doivent consentir librement et de façon préalable à un projet. Donc, voici un peu la quintessence du consentement libre, éclairé des communautés. Donc, un droit collectif. Il s'applique beaucoup plus dans les pays de l'Amérique latine où il y a la notion d'autochtone. Cette notion est très peu développée en Afrique de l'Ouest parce qu'on n'a pas juridiquement une sorte de reconnaissance de ce qu'on appelle les autochtones, etc. Mais en Amérique latine, cela existe. Et vous verrez peut-être qu'en Afrique centrale, je crois que cela existe aussi. Et idem pour l'Afrique australe. Il y a des peuples qu'on appelait les peuples autochtones, c'est-à-dire c'est les premiers occupants de ces zones-là et ont une spécificité d'être parfois des groupes minoritaires. En Amérique latine, c'est assez fréquent avec les groupes indiens, les Aztèques, les Mayas, les Incas. Voilà, ce sont beaucoup plus des communautés qu'on appelle communautés autochtones. À côté du consentement libre, préalable et clair, nous avons ce qu'on appelle les principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme, ou autrement appelé les principes de John Ruby. Pourquoi principes de John Ruby? Parce que c'est le professeur John Ruby, en tant que représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, qui pilotait l'élaboration, effectivement, de ces principes, dont on les appelle les principes de John Ruby, pour leur attribuer le nom de l'auteur. C'est des principes qui tournent autour de la notion de protéger, de respecter et de réparer. Qui protège, qui respecte et qui répare. Alors, l'État est tenu de protéger les droits des individus face aux entreprises. Les entreprises sont tenues de respecter les droits des populations dans le contexte de leur
activités professionnelles ou activités lucratives. Réparer en cas de violation de toute forme de droit, ces entreprises ont l'obligation de réparer le tort commis à l'encontre des populations qui sont affectées par les activités. Et cela n'est pas tout simplement du fait des entreprises extractives, c'est valable pour toute autre forme d'entreprise de grande dimension. Mais nous, nous attardons beaucoup plus sur ce qu'on appelle les industries extractives. Alors, vous verrez que l'Organisation internationale des employeurs a beaucoup collaboré avec le représentant spécial de l'ONU durant toute la durée des travaux pour qu'ensemble, tous les acteurs s'accordent au moins sur ces trois principes de protéger, respecter et réparer. Donc, ce sont des principes qui s'appliquent à l'ensemble des multinationales, à l'ensemble des compagnies qui ont des activités commerciales.